À 14 ans, il faut être sûr de soi-même déjà, faire quelque chose qu'on aime, et puis avoir de la passion et aimer ce qu'on fait. Je m'appelle Impala Giuseppe, je fais partie de Migrovo, qui fait partie du groupe Migro. Mais dans mon travail, ça me passionne beaucoup, c'est la viande. Donc j'ai choisi de faire boucher parce que j'aime bien la viande, j'aime bien la connaissance culinaire. Donc renseigner les clients qui viennent chez moi pour acheter de la viande, va leur expliquer vraiment de A à Z les temps de cuisson, comment assaisonner la viande, leur faire plaisir, et le sourire, puis avoir un bon contact avec les clients et puis aussi avec les collègues. C'est très important d'être une équipe et puis qu'on dialogue, qu'on s'entend bien tous ensemble, qu'on soit bien. Alors les contrats, il y en a quelques-uns. Donc c'est déjà, il faut se lever tôt, le matin. Après il y a le froid, parce qu'on est dans des chambres froides, et puis il fait froid, il faut aussi aimer le froid. Et puis il y a aussi les odeurs, parce qu'on fait aussi le poisson. Donc il faut bien supporter, aimer les odeurs de viande et de poisson. Je fais partie du groupe Migro, qu'on vend alimentaire et non alimentaire. Et moi, je fais partie de la boucherie. J'arrive le matin, je dis bonjour à mes collègues et je monte la vitrine de viande. Après, je fais les préparations de viande, les steaks hachés, steaks tartare. Et une fois qu'on a fini de monter la viande, on s'occupe aussi de faire la mise en place. Donc des barquettes de viande, charcuterie, que ça soit en ordre pour l'ouverture. Une fois fini ça, je commence à faire les commandes pour les jours à venir. Alors, je fais les commandes et puis après je vais servir les clients, leur expliquer s'ils me demandent les temps de cuisson par rapport à un morceau de viande. À midi, on va dîner. Après on revient, on fait 2 heures de pause, on revient l'après-midi. Et on continue le service client avec du plaisir, avec le sourire et bien conseiller nos clients par rapport à ce qu'ils achètent, qu'ils aient du plaisir à être à table et bien manger. J'ai fait l'école primaire à Villeneuve. Finissant l'école primaire, j'ai choisi de faire le métier de boucher pendant 3 ans. En finissant mes examens, que j'ai eu mon certificat de boucher, j'ai commencé chez Manor comme employé. Et puis après, 2-3 ans après, j'ai été chez Migros en 1987. J'ai commencé chez Migros et après 3 ans de Migros, donc 90, je suis passé chef boucher en suivant des cours de formation. Et puis j'ai une passion de service client et je suis venu chef boucher à Migros. Oui, je suis conscient que ça peut être possible parce que j'ai eu des expériences par des collègues qui venaient dans un autre monde. Et puis avec la bonne volonté et la passion, on est capable de faire ce métier de boucher. Mais il faut aimer avoir la connaissance culinaire et puis le service client, le sourire. Voilà, donc c'est possible, oui.